Parce que sachez quelque chose, les filles. Demandez pas de conseils à des gars qui sont en couple depuis des années, parce qu'ils savent pas comment ça se passe dans le marché du dating. Déjà, ça a super changé, ça n'a rien à voir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mets un petit j'aime ici, c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il va falloir faire de l'oseille. Sinon les gars, dans tous les cas, dans tout ce que tu veux faire dans la vie, il va falloir faire de l'oseille. Après tu fais comme tu veux, t'es pas obligé de passer par moi, tu passes par qui tu veux. Mais dans tous les cas, il va falloir faire quelque chose les gars. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 24 semaines. C'est gratuit, c'est offert, on crée à l'arnaque. Tu connais, jette un coup d'œil quand même avant, hein. Fais pas comme les autres gars moyens là, qui ont pas trop, hein, qui réfléchissent pas trop, qui aiment bien parler avant de réfléchir. Hein. Et deuxième chose, c'est Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, j'ai rajouté bonus complémentaire sur l'e-commerce, que je sais que tu aimes ça, tu veux lancer ta boutique. Il y a un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la crypto, comment investir dans l'immobilier. Ah, c'est bien. Et personal branding. En plus, si jamais tu veux passer par ton CPF, tu peux via Pirate Marketing, ça donnera accès à l'incubateur qui donnera accès à du coaching. Ok. Donc, tout ce que tu as à faire si jamais ça t'intéresse, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, tu auras un appel offert. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, il est formé, il connaît bien. Tu pourras lui poser toutes tes questions, tu pourras lui parler aussi de business, tes objectifs. Ok. Donc, si jamais tu veux te lancer et tu ne sais pas trop où aller, ou bah, déjà, ça fera un bon appel, c'est gratuit en plus. Et ça pourra un peu t'orienter, pas forcément super marketing, si c'est autre chose, ben ça sera autre chose, tu vois. Mais au moins, tu avances, tu vois. Et puis, si jamais tu veux acquérir Pirate Marketing, ben après, on donnera les accès à Pirate Marketing. On fera le dossier avec toi s'il le faut, si tu veux passer par le CPF. Et puis voilà, après, les gars, ça prendra du temps, ça sera long, ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir être libre. Laisse les gens dire, ouais, moi, je m'en fiche, etc. Je veux juste m'ambiancer sous la vidéo de Jonathan. Ça, c'est bien. Mais laisse-les, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront toujours au même endroit. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi arrivé dans 91, un redoublé BEP trop technique. Voilà, aujourd'hui, j'avais plus de BEP maintenant. Maintenant, c'est bac pro. C'est pour te dire tellement que je suis un ancien. Bref, en tout cas, les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant. Je vis la vie que je me suis fixée, en fait, que j'ai rêvé, en fait. C'est pas tombé du ciel. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien, je veux avoir cette vie-là. Et j'ai fait les actions pour pouvoir avoir cette vie-là. Là, j'ai d'autres rêves. Et là, je suis en train de mettre les actions en place pour pouvoir avoir cette vie-là. Ça tombe pas par hasard, les gars. Je sais pas pourquoi on a ce concept de genre, les choses vont tomber. Avec le temps, ça ira. Non. Le temps, ça sert à rien du tout. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Derek Jackson. Jax. Apparemment, il ment. Enfin, c'est pas apparemment. Le gars ment normal aux femmes. Et lui, il est glorifié pour ça. Lui, il est adoré par la multitude pour ça. Ah, lui, il fait des couvertures de magazines. Allez. Bon, je sais pas s'il a fait des couvertures de magazines. Mais en tout cas, lui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste incroyable aujourd'hui. En fait, je suis toujours surpris que... Aujourd'hui, les gens préfèrent le mensonge que la vérité. Plus je fais des vidéos, plus je suis dans le game du contenu à produire, plus je m'aperçois, en fait, c'est incroyable ça quand même. Parce que moi, avant que je fasse vraiment du contenu, j'ai toujours été un gars de la vérité. J'ai dit, il vaut mieux qu'on se dise les choses, comme ça, boum, on sait, voilà. Moi, je pense ça, nanani, nanana, comme ça, c'est carré. Et ça a toujours bien fonctionné, en tout cas dans ma vie perso. Le fait de dire la vérité, boum, boum, au moins, c'est carré, c'est propre, on sait où est-ce qu'on va. Voilà. Mais apparemment, dans le monde, je devais vivre dans un monde parallèle. Dis-moi comment tu vis dans ta vie, mais peut-être je vivais dans un monde parallèle. Ok. Donc, apparemment, alors je comprends bien le truc, surtout les femmes, elles sont super émotionnelles. Donc, elles préfèrent se sentir bien émotionnellement, tu vois, et que même si c'est un mensonge qu'on lui dit. Voilà. Elles préfèrent le mensonge qui l'a fait se sentir bien que la vérité. Donc, tu te dis, ouais, mais ok, c'est qui ce mec, Derek Jackson, et nanana. Bon, alors du coup, tu fais bien de poser la question, Gérard. Donc, c'est qui ce gars-là? En gros, c'est un expert, je dirais pas, dating peut-être. Ouais, dating, en tout cas, relation femme, un truc comme ça. Ok, relationship, expert relationship. Et lui, il s'adresse aux femmes. Et il est en mode genre, alors lui, il ment de... C'est violent. C'est en gros, les femmes, vous êtes des queens, vous méritez le meilleur. Les noirs américains, donc les blacks américains, ils font n'importe quoi, c'est le bordel. Vous, les filles, vous êtes les meilleurs. Voilà, en gros, pour faire simple, parce que je ne serais pas... Parce qu'il y a plusieurs trucs qu'il dit, mais en gros, pour faire simple, il dit le contraire de ce que moi je dis. Arrête de dire, ah, mais c'est pour ça que tu n'es pas d'accord. Non, c'est pas ça, il y a des choses. Ce que je dis, qu'est-ce que je dis qui n'est pas vrai? Déjà, c'est basé la plupart du temps sur des stats. Tu as juste à checker sur Google. Voilà, c'est à un moment donné, que ça ne te fasse pas te sentir bien.
Géraldine, je comprends. Mais après, des faits, c'est de prendre un peu du recul. Est-ce que ça a l'air du bon sens? Demande à d'autres hommes qui veulent pas coucher avec toi, évidemment. Parce que si tu demandes à des gars qui veulent coucher avec toi, ils vont toujours te mentir. Ils vont dire non, girl, tu sois, t'es masculine. J'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est le meilleur. Donc voilà, lui, il était plutôt en mode ouais, t'es masculine, t'es une queen, c'est pas grave, c'est parce qu'il peut pas te gérer. Nanani, il faut qu'il soit un homme. Trouve un vrai homme qui va pouvoir te gérer. T'es une mère célibataire avec des enfants. Si les gars, ils peuvent pas te gérer, c'est eux, c'est pas des vrais hommes. Les vrais hommes peuvent gérer des femmes avec des enfants. Nanana, ils devraient pas. Voilà, tu vois, que des trucs qui sont pas vrais. Après, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Il n'y a pas de c'est bien ou pas bien, par exemple, qu'un homme veut avoir une relation long terme avec une femme qui a déjà des enfants. C'est juste qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il faut juste le savoir. Mais aujourd'hui, on peut pas. On dirait qu'il ne faut pas prévenir les hommes de rien. Non, vous, c'est toujours eux qui doivent être sacrifiés dans tout. Tu vois, que ce soit en guerre, que ce soit en relation. Voilà, toi, tu passes derrière après un gars qui a déjà fait ses enfants, tu vas élever ses enfants, tu n'auras même pas l'autorité sur cet enfant-là. Tu auras toujours une tierce personne qui sera dans ton couple. Parce que si tu veux déménager demain, bah, le père de l'enfant, il va dire « Oh, vous allez où là ? Moi, j'ai besoin de voir mon enfant, donc tu peux même pas faire ce que tu veux. » Enfin, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Après, tu fais ce que tu veux derrière. Mais il faut pas mentir aux femmes et dire que c'est les hommes le problème et que genre, s'ils veulent pas, c'est parce qu'ils sont pas assez... c'est pas des vrais hommes, des trucs comme ça. Okay ? De toute façon, c'est simple. Je vais te lire un petit peu les livres qu'il a écrits et tu vas comprendre tout de suite le délire. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il s'est fait attraper au fait. Voilà, bah oui, parce que c'est un mytho. Évidemment, à un moment donné... Il s'est fait attraper parce qu'il a trompé, sa meuf. Donc il s'était déjà fait attraper, genre en, je sais plus quoi, il s'était déjà fait attraper. Et ah oui, j'ai oublié de te dire, ouais, il est en relation depuis longtemps, il est marié depuis longtemps. C'est un gars qui a grandi à l'église, il s'est marié, boum boum, voilà. Et après, il l'a pris en puissance, tu vois, il a lancé son branding, etc., etc. Donc je me dis, peut-être qu'au début, il pensait vraiment. Il y a deux choses pour moi. C'est ou c'est un mytho de ouf, ou peut-être au début c'était de l'ignorance. Tu vois, il était, comme il a grandi à l'église, je peux comprendre ça parce que je suis un peu dans le même cas. Tu grandis à l'église, tu te maries tôt, donc tu connais pas vraiment le... Parce que sachez quelque chose, les filles. Demandez pas de conseils à des gars qui sont en couple depuis des années parce qu'ils savent pas comment ça se passe dans le marché du dating. Déjà, ça a super changé, ça n'a rien à voir, ça évolue constamment. Ok, donc un gars qui est en relation n'a aucune idée de ce qui se passe sur le marché du dating. Il en a aucune idée. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, il a grandi, je pense, à l'église, il s'est marié tôt, machin. Donc peut-être qu'au début, c'est bullshit, il y croyait vraiment, je pense. Peut-être qu'il y croyait vraiment, c'est une théorie que je me dis. Et puis après, au fur et à mesure, quand il a commencé à prendre de la puissance, boum boum, il a commencé à être balèze, parce qu'il y a des baraques. Il a commencé à être baraque, machin, il a commencé à faire partie, en plus il est grand, je crois. Il a commencé à faire de l'oseille, machin. En plus, il s'adresse aux femmes, il a dû commencer à recevoir des DM. Il y a même des meufs qui ont dû dire « Attends, moi, je vais prendre ça dans les mains de la 6, hein, de la fille, de sa femme. » Obligé. Et à un moment donné, il a succombé. Normal. Et encore, moi, je m'en fiche. Tu vois? Parce que moi, je connais le game. Tu vois ce que je veux dire? Je lui en veux pas d'avoir trompé sa meuf à multiples reprises. C'est juste, ce que tu fais, c'est pas ce que tu prêches, en fait. Et t'as fait croire à toutes les meufs que, genre, c'était possible, en fait. Tu leur as envoyé du rêve. Et mon problème avec ça, c'est que tu fais ça juste pour l'oseille. C'est ça mon problème. Tu mens aux femmes, tu leur dis des choses qu'elles aimeraient tellement entendre, elles aimeraient tellement penser que c'est ça. Juste des trucs qui leur font se sentir bien, tu vois. Voilà. Et en plus, elles se disent, regarde, il est marié, il est balèze, il est beau gosse, il est là, il trompe pas sa meuf, il dit que c'est une queen, nanani, nanana, c'est elle la star, tout ça. Voilà. Jusqu'au moment où, bah, du coup, bah, tout s'écroule parce qu'en fait, c'est pas vrai. Bah oui. Donc, moi, je n'en veux même pas parce que quand tu fais partie de 10% à 1%, voilà, non, je pense même que sa femme devait être au courant. Et à un moment donné, enfin, voilà, c'est un homme, hein, voilà. Et à un moment donné, si tu es tenté constamment, c'est très, très chaud. C'est très, très chaud de pouvoir rester quand tu fais partie des 1%, 10%, ok. Seules les personnes qui sont les 1%, 10%, elles peuvent savoir. Et voilà. Hein? Mais c'est sûr que si tu fais partie des 1% à 10%, bah, ça va être compliqué, c'est sûr, de rester toujours fidèle, etc. D'ailleurs, mais les femmes, elles n'en parlent pas, mais les meufs qui sont de ce niveau-là, elles savent que le gars, il a plusieurs femmes. Juste, mais en perspective, imagine une femme, elle dit à Drake, ouais, tu dois m'être fidèle. T'as même quand tu le mets en perspective comme ça, tu dis, ouais, non, mais ça, c'est juste une blague. Ou Chris Bois, tu vois. Ça. Déjà, si t'es sa meuf, déjà, tu seras contente, voilà, tu vois, c'est tout. Voilà. Mais bon,
Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Non, ça veut dire que les hommes et les femmes sont différentes et qu'il ne faut pas voir les choses de la même manière. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, bref, moi, par contre, quand je dis la vérité, moi, je me fais défoncer. Enfin, non, oui, pas forcément, mais du manière générale, les gens qui disent un peu les choses que je dis, parce qu'on ne dit pas tous exactement la même chose, hein, je parle du contenu que je regarde aux États-Unis, parce que je donne mon avis par rapport aussi à mon expérience. Je suis quand même resté 20 ans en relation, avec un certain succès quand même, on ne va pas se mentir, avec une femme qui était quand même mignonne, qui était bien foutue. Et j'ai aussi de l'expérience dans le marché du célibat sur différents continents. Donc bon, voilà, il y en a qui disent des choses qu'ils ont lues, et moi j'ai dit des choses que j'ai vécues, et j'allie ça aussi aux statistiques et à ce que j'ai lu. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, c'est important de connaître les secrets de la nature féminine. T'as Dieu sans description, ok? Ça, c'est la base, les gars, ça. Donc, du coup, on va voir les livres un petit peu que Derek, il a fait. Alors, il a fait un truc, alors. A cheating man's heart. Alors, cheating, ça veut dire quand tu trompes ta meuf, quoi. Tromper, donc le cœur d'un homme qui trompe. Et apparemment, il a fait deux volumes là-dessus. Single mothers for a grown man only. Oh, putain, franchement, il abuse. C'est pas bien de faire ça. Single mother, ça veut dire qu'en gros, mère célibataire pour des vrais hommes, pour seulement les vrais hommes. Seulement les vrais hommes. Franchement, il déconne. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça, ça veut dire que dans le sens où ils m'ont abusé. Tu vois ce que je veux dire? Il leur donne de l'espoir, donc ils vendent de l'espoir en fait. Ils vendent de l'espoir, je trouve que c'est chaud. Je pense que c'est un mytho, gars, et qu'il a fait ça juste pour l'oseille, gars. Donc, peut-être qu'il y pensait vraiment, mais ça m'étonne, puisque, en tout cas, s'il le pensait, s'il croyait vraiment à ses bêtises, aujourd'hui, il ne le pense plus. Il s'est fait cramer deux fois, parce que oui, il s'est excusé une première fois, quoi, il s'est fait cramer, et là, il s'est fait cramer une deuxième fois, il a dit, bon, il a mis un post Instagram, il a dit, bon, je divorce, je suis désolé, blablabla. Et donc, c'est normal que tout le monde lui tombe dessus, parce qu'il se fait défoncer sur les réseaux, bah, c'est normal, parce que tous les gars, on sait que t'es un mytho. Tu vois ce que je veux dire? C'est que nous, en fait, on n'est pas comme les meufs à réagir, tu vois, sur les réseaux, quand un gars, il ment, ça. On dit, bon, lui, c'est un mytho, tu vois, enfin, on sait. Mais on va pas faire des vidéos pour dire oh, lui il ment, on s'en fiche. Mais en plus il tape sur les hommes bah, alors que c'est même pas vrai, tu vois. Non, là il abuse, là. Single mother for grown men only. Il leur vend du rêve, frère. C'est là pour le coup, là, ça c'est sponsorisé, ça c'est bon, ça, t'inquiète pas que ça, mon gars. Et il a fait best-seller avec tout ça, hein. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Don't forget your crown, donc you are a queen, quoi. Franchement, il déconne. Mais tu sais quoi, je suis sûr que malgré il s'est fait cramer tout ça, Nayana, les meufs vont quand même continuer à le suivre, gars. Alors qu'il ment complètement. Il leur vend de l'espoir. Les meufs vont dire, de toute façon, j'ai toujours su qu'une mère célibataire, c'était pour les vrais hommes. Les autres, c'est des petits. Si ça, s'ils étaient vraiment des vrais hommes, ils pourraient gérer ça. Non, c'est juste que fais attention. Il n'y a pas mieux, déjà, de base, il n'y a pas mieux que le vrai père pour pouvoir éduquer ton enfant. Déjà, donc peut-être essayer de voir si jamais vous pouvez pas, au mieux de vous séparer, enfin au mieux de te séparer, parce que c'est 80 à 90% des femmes qui demandent le divorce, hein, tu vois, ça il prend pas ses stats en compte. S'il y a un débat, même moi je le plie, frère. Genre, c'est tellement... Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis juste des trucs que tu inventes, que tu es politiquement correct et qu'il faudrait dire, qui sonnent bien, mais c'est pas vrai, tu vois, je veux dire. Donc bref, je sais plus ce que je disais, mais en gros, moralité, si tu veux... Mais, non, moi je peux pas. Si tu veux vendre, ment, voilà. Ment et les femmes elles vont acheter, et comme ça elles seront contentes. Mais moi je peux pas, je peux pas, frère, je peux pas. Mais c'est sûr, si je leur disais, je commence à faire des vidéos, que je dis ouais les filles, les hommes c'est eux qui te déconnent, vous avez rien à faire, vous avez aucune accountability, aucune responsabilité, rien. Vous faites vos choix, mais c'est toujours l'homme qui doit rattraper vos choix, tu vois. c'est vrai, ça a du sens. Voilà. Bref, les gars, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, mais dis-moi un petit peu ce que tu en penses par rapport à tout ça. Mais moi, je trouve ça ouf, je suis vraiment impressionné, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Peut-être avant, j'ai visité dans un monde, une utopie, je sais pas, voilà, dans ma tête, voilà. Les gens sont méchants, les gens mentent, voilà. Ah mince alors. Ah ouais, oui. Bon, alors, t'as deux sons en description si jamais tu veux aller plus loin sur le secret de la nature féminine, c'est la base, les gars. Et puis, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je vais être encore.